J'ai demandé à ChatGPT de me guider pendant ma survie hardcore. Je vais lui demander toutes les actions que je vais devoir faire, ainsi que tous les détails de ma survie. Je ne ferai rien sans son accord. C'est parti. Je lui ai déjà demandé quelle scie je devrais utiliser pour ma survie hardcore et comment devrait s'appeler mon monde. Elle m'a proposé 3 seeds et 3 petits titres. Ok, on va regarder ça. On va prendre le premier, donc là c'est Death is Coming pour le seed. On va créer un nouveau monde en hardcore, mettre ça comme seeds, et on va appeler notre monde Persévérance comme elle nous l'a demandé. Et c'est parti pour entrer dans notre magnifique monde. Ok. On est arrivé dans une sorte de forêt, de jungle, je sais pas trop quoi. Ça a l'air vraiment sympa. Je vais lui demander ce que je dois faire sur ma survie hardcore, étape par étape. Dans un premier temps, elle m'a conseillé de trouver un abri, de collecter des ressources de base, d'établir une base permanente, de cultiver de la nourriture, il était temps, d'explorer les environs, de renforcer ma base, de progresser dans le jeu. Ouais, c'est une bonne idée, merci. De rester vigilant. Elle a pas l'air de comprendre ce que je lui demande. Elle veut qu'elle me dise étape par étape quoi faire. Je vais demander une description précise. On va voir si elle me donne une meilleure réponse. Ah, ramasser du bois avec mes poings. Voilà. Voilà, ça c'est une réponse qui me plaît. Let's go, on va faire ça alors. Ça y est, ChatGPT, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Après, je fais quoi? Utiliser les planches de bois pour créer une table de travail? Ok, on va faire ça. Ça y est, c'est fait, ChatGPT. Construisez une série d'outils essentiels. Une hache en plaçant 2 planches de bois empilées verticalement dans les 2 cases de la rangée supérieure. Ah, ça marche pas, hein. Ah, si, pour les sticks. Ouais, m'a dit de me faire une hache et une pioche. Ça y est, c'est fait, ChatGPT. Ok, m'a dit d'aller casser encore un petit peu de bois puis de me creuser un premier abri. Let's go. Ça y est, j'ai suffisamment de bois. Par contre, elle m'a dit de me creuser un abri, mais à quoi il doit ressembler mon abri, moi je sais pas. On va poser la question à ChatGPT. Un trou de 3 blocs de large, 3 blocs de long, 2 blocs de profondeur, avec un plafond solide, une porte, des torches, un lit, des coffres pour stocker les ressources. Ok, c'est parti. Wouhou ! À ce que je vois ici, il y a tout ce qu'il faut pour ramasser le premier charbon et donc faire des torches. Ensuite, elle m'a dit de creuser un abri par ici, par exemple. Elle m'a dit 3 blocs de large, 3 blocs de long, poser un établi, des torches, une porte, mais elle m'a conseillé de faire un lit. Pour ça, faut que j'aille tuer des moutons, non? Je sais même pas comment faire, moi je vais poser la question à ChatGPT. Il faut obtenir 3 blocs de laine et 3 planches de bois. Elle me dit que pour obtenir la laine, il faut que j'aille dans un village. Alors c'est vachement chiant quand même. Je suis sûr qu'il y a une autre solution. Mais tant pis, on va chercher un village. Elle m'a toujours pas dit d'aller chercher de la nourriture. ChatGPT, hein. T'as intérêt à ce que je trouve un super village. Parce que là, ça commence à m'inquiéter. C'est fou le nombre d'animaux qu'il y a juste autour de moi, comme des vaches, des cochons ou des moutons. Si seulement ils pouvaient me servir à quelque chose. Mais ChatGPT ne m'a rien ordonné vis-à-vis de ça. Donc je fais rien pour l'instant. C'est dommage parce que je suis sûr que la nourriture peut servir à quelque chose dans le jeu. Je sais pas encore à quoi. La nuit est en train de tomber, j'ai toujours pas de lit. J'espère sincèrement trouver un village à une vitesse grand V, parce que là je m'inquiète. Oh, il y a un village juste là-bas, regardez. Ah ah, ChatGPT n'avait peut-être pas tort. Par contre, je vais commencer à perdre des points de vie à cause de la nourriture. On va demander à ChatGPT comment faire. Alors, je perds des points de vie sur Minecraft car je n'ai pas de nourriture. Comment faire? Trouver de la nourriture sauvage, explorer les environs à la recherche d'animaux tels que des vaches, des cochons, des poulets ou des moutons. Tuez-les pour obtenir de la viande. Ah, j'en étais sûr que ça servait à quelque chose ces animaux autour de moi. Bon, on va aller les tuer rapidement. Il faut quand même vachement orienter ChatGPT pour qu'elle nous donne les bons conseils. Je sais pas vous, mais moi personnellement, je me régale. Il y a une armure dans un coffre, est-ce que je dois la prendre? Je vais demander à ChatGPT. La question paraît quand même vachement stupide. Elle me donne 1 milliard de raisons pour pourquoi est-ce que je devrais prendre cette armure. En réalité, je m'en doutais quand même. Allez hop, je suis habillé, enfin. J'en avais marre d'être nu. Par contre, j'aimerais bien dormir. Est-ce que je peux trouver un lit? Attendez, mais ces villageois n'ont pas de lit. Bah monsieur, c'est mon lit. Ah, quel plaisir. Regardez-moi ce beau temps dès le matin. Bon, quitte à être ici, je vais lui demander qu'est-ce qui est intéressant à prendre dans un village. Ah ouais, ok, elle ne laisse rien du tout aux villageois. Elle nous dit de tout prendre, clairement. Elle nous a dit de récupérer tous les matériaux qui étaient dans les maisons et qui étaient intéressants, comme ça par exemple, ou ça, ou même tout ça. Décidément, ChatGPT, elle se prive pas, hein. Elle se fait plaisir, la grognasse. Étonnamment, elle m'a dit de tout prendre, mais elle m'a pas dit d'aller tuer ce golem de fer. Tant pis, je vais pas le tuer. Ça aurait pu être bien pratique d'avoir un petit peu de fer, mais bon, on va rien dire. Elle m'a aussi dit d'aller piller les ressources de mes villageois. Donc, let's go. Je suis le pilleur. Hop, merci pour cette nourriture, messieurs dames. Bon, une fois que j'aurai ça, je devrais avoir tout ce dont j'ai besoin de prendre dans ce village PNJ. Donc, retour dans notre petit abri, puisqu'elle nous a conseillé de base juste d'aller chercher un lit. Mais j'ai une question qui me trotte en tête. Qu'est-ce que je dois faire après? On va lui demander quand on arrivera. Ah, ça y est, nous voilà de retour à notre magnifique petit abri. Ah, c'était quasiment une villa, je crois, hein. Hop, un petit lit, on mange un petit peu et on va demander à ChatGPT ce qu'on doit faire de notre vie. Je vais lui dire que je m'ennuie dans ma survie hardcore et je vais lui dire que dois-je faire? Partez à l'aventure. Fixez-vous des objectifs personnels à atteindre. Ajoutez des défis supplémentaires, explorer le Nether et l'End, jouer un multijoueur, essayer des modes, commencer un nouveau monde. Mais je viens juste de commencer. OK, je vais demander à ChatGPT de me fixer un objectif pour ma survie. STP le S, je lui ai dit. Construire et conquérir une forteresse imprenable. Ouah, mais elle abuse dans ses objectifs. Ok, je vais relever le défi. On va faire une forteresse imprenable. Le problème, c'est que je suis pas sûr d'avoir les outils nécessaires. Et malheureusement, elle m'a jamais dit d'aller miner. J'ai l'impression qu'elle brûle un petit peu les étapes. Mais vous savez quoi? On s'en fiche. Ok, c'est le début de ma forteresse. Waouh, elle est déjà incroyable. Super, j'ai déjà plus de pierres. Mon dieu, mais la nuit arrive déjà et j'ai même pas eu le temps de terminer ma forteresse. Je vais demander à ChatGPT si j'ai le droit d'aller dormir. Quoi? Elle m'a répondu, fabriquer un lit. Oh non. Ok, faut que je trouve de quoi fabriquer un lit avant de m'endormir. Tout à l'heure,
l'heure, fallait que j'aille le voler dans un village PNJ et maintenant faut que je le fabrique. Oh, y a des monstres là-bas. Hein. Ah, par là aussi. Comment je fais, les gars, pour construire un lit maintenant? Y a plus de moutons à cette heure-là. Bon, on part à la recherche. Hein. Ah, laissez-moi tranquille. Oh mon dieu. Sinon, je me dis que par là-bas, je sais qu'il y a des moutons. Je suis loin, mais au moins, je suis sûr d'en trouver. Allez, c'est parti, on va faire ça. En plus, dans l'eau, je suis quand même plutôt tranquille. À part les zombies drowned, y a presque rien. Je me demande si ChatGPT va me conseiller d'aller miner à un moment. Oh la vache, tous les monstres! Oh non, un squelette sur moi! Laisse-moi! Ok, là-bas, il y a un mouton, un premier. Je me fais taper par une araignée en même temps. Il y a un squelette là-bas. Et des zombies par ici! Ah! Ok, je run. Run, boy, run. Ok, il y a un autre mouton juste là. J'ai une deuxième laine, peut-être la troisième juste ici. Let's go, j'ai trois laines. Le problème, c'est que j'ai pas d'établi sur moi et qu'elle m'a pas dit de me faire un établi. Hein. Mon établi, je l'ai posé là-bas. Oh, faut que je retourne tout là-bas. Wow. Ah, mais ils se battent entre eux, ces cons-là. Qui va gagner? Squelette gauche ou squelette droite? Ah ah, c'est la guerre des partis politiques ou? Ah, c'est la gauche qui a gagné. Ok, je suis bientôt arrivé chez moi. Est-ce que je vois, il y a des monstres qui m'attendent? Même chez moi. Pas le choix, va falloir que je passe quand même. Hein. Si seulement ChatGPT m'avait dit de prendre du charbon, de me faire un four et des torches, notamment pour cramer mes animaux par exemple. Ça aurait pu être pratique, mais elle me l'a pas dit. Vite. On se craft un lit et bonne nuit à tous. Oh non, les monstres sont trop proches. Ok, je peux aller me coucher. Let's go. Allez, c'est parti pour essayer de terminer cette petite forteresse. Ok, j'ai bien avancé, mais j'ai toujours pas suffisamment de cobblestone. Je sais pas pour vous, mais je trouve que cette survie hardcore n'a absolument aucun sens. Depuis quand on reste nos stuff avec des outils en bois pendant 2 heures? J'ai terminé ma super forteresse imprenable. Hein. Vraiment, elle est totalement imprenable. Waouh, je pense que tout le monde serait jaloux de cette forteresse. Bon, du coup, je fais quoi après? ChatGPT, dis-moi. Elle m'a conseillé d'explorer, mais qu'est-ce que je pourrais explorer? Elle m'a conseillé d'aller chercher des biomes variés. Bon, déjà, on les a vus, ça, c'est bon. Mais ensuite, des structures générées automatiquement. D'accord, bon. Alors, espérons qu'on en trouve une, parce que c'est censé être plutôt rare. Hein. Ah, c'est hyper rigolo. Regardez, on est dans une jungle, là, dans un désert. Et regardez, hop, un bébé biome Mesa qui vient se foutre la malle. Bon, allez, c'est parti. Allons explorer des structures comme nous l'a demandé ChatGPT. Waouh, un super biome Mesa. On a déjà vu au moins 4 biomes différents. Je pense qu'on peut dire qu'on a exploré les biomes variés. Tiens, une première structure générée, c'est une mine avec un enchantement Sharpness 4. Alors ça, c'est stylé, hein. Avant de l'explorer, je vais demander à ChatGPT ce que je dois prendre et de quoi je dois me méfier. Apparemment, il faut que je me méfie des araignées des caves, de certaines créatures hostiles ou des ravins et des trous profonds, des pièges à toile d'araignée, qu'est-ce que c'est? Apparemment, il y aurait des coffres piégés, des éboulements. Waouh, on va aller voir ça. Pour l'instant, elle fait pas très peur, cette mine. Tiens, on dirait que j'ai parlé trop vite. C'est de ça qu'elle a dit de me méfier, mais en même temps, j'ai envie d'aller voir quand même, moi. Ça doit être ça, les fameux pièges à araignées dont elle me parlait. Oh non, je suis empoisonné. En même temps, elle m'avait dit de me méfier. Je les entends me courir après. Elles sont là? Ok, elles m'ont lâché. Par contre, il y a un coffre, du charbon, ça doit être intéressant. Des torches aussi. Et pourquoi pas un name tag? Si seulement ChatGPT m'avait conseillé d'aller prendre du stuff à un moment, ce serait tellement plus simple. Bon, bah, j'ai fini l'exploration et il y a rien à voir, malheureusement. J'ai comme l'impression que la nuit est tombée. On va faire un petit dodo avec le lit que ChatGPT m'a ordonné de crafter tout à l'heure. Tiens, c'est pas tout à fait terminé puisqu'il y a un coffre ici, mais il y a surtout un creeper qui me veut du mal. Aïe! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Une golden apple. Cool. Tiens, quand elle me parlait de structure, elle devait me parler de ce genre de choses aussi. Je sais pas si vous avez bien vu au bout, mais il y a un petit portail du nether abandonné. Allons voir. Il y a même un village. On va aller voir juste après. Waouh. Il y a des outils en or incroyables. Il y a même des blocs d'or. Ah, mais l'or ne peut pas récupérer les blocs d'or. Ah, je suis trop bête. Je suis stupide. J'aurais dû demander à ChatGPT, je suis sûr qu'elle le savait. Ah non, d'ailleurs, on va faire le test. Est-ce qu'elle est vraiment au courant de ça? Eh oui, elle est au courant, elle me l'aurait dit si je lui avais demandé. Bon bah c'est ma faute, j'ai pas écouté ChatGPT. Comme quoi elle est meilleure que moi à Minecraft. Bon, on arrive dans ce petit village. Donc tout à l'heure, elle m'a dit de tout piller. Donc là, je vais faire la même chose, hein, tout simplement. Hop là, c'est à moi. Ils ont vidé leur baril avant que j'arrive. Ils sont malins. Hein. C'est la cloche GPT. Oh, le golem, il me juge, hein. Désolé, my bad. Du blé. Bon, voilà, j'ai bien exploré tout ce petit village. Il y avait rien d'intéressant à prendre. Encore une fois, ChatGPT va falloir me donner de meilleurs conseils. Hein. On va lui demander si on continue à explorer ou si on va faire autre chose. Puisqu'à chaque fois, elle me propose une liste, on va toujours sélectionner la première chose qu'elle nous propose. Et là, pour le coup, une exploration continue. Donc, elle me dit de continuer. Ok. Je sais pas ce qu'on va y trouver, mais ok, let's go. Fuck les moutons. Oh, regardez, un mouton rose. Vous savez que c'est les moutons les plus rares de Minecraft? Je suis tellement heureux de te voir. Pardon. Pour l'instant, je trouve pas grand chose à explorer. Et je sais que je retrouverai jamais mon abri à ce rythme-là. Oh, mais attendez, ce serait pas un biome mangrove, ça? Hop là, la canne à sucre, c'est à moi. Effectivement, c'est bien un boom mangrove. Après, je sais pas ce que je peux en faire pour le moment. Donc tant pis, on continue l'exploration. Waouh, on arrive sur une super belle montagne. Et en fait, je me suis posé une question. On va demander à ChatGPT combien de jours je vais devoir survivre pour que ça fasse une bonne vidéo. ChatGPT est censé tout savoir, non? Allez, on lui demande. Je lui ai demandé combien de jours je devais survivre en hardcore pour que ça fasse une vidéo YouTube intéressante. Elle me dit que la durée peut varier en fonction de mes progressions et accomplissements. Mais c'est pas une réponse. Donne-moi la réponse. Elle ne veut pas me dire. Après 3 questions, elle ne
ne veut toujours pas me dire, donc je vais lui demander de choisir un nombre entre 1 et 100. Elle a choisi le nombre 42, donc je vais devoir survivre 42 jours. Ok, très bien, ça roule. Pendant ce temps-là, il y a la nuit qui est en train de tomber sur Minecraft. Va peut-être falloir que j'aille me coucher, moi. Ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé le titre de ma vidéo. ChatGPT m'a ordonné de survivre 42 jours sur Minecraft. D'ailleurs, comme par hasard, ChatGPT, c'est une machine et a choisi le nombre 42. Vous croyez que c'est une coïncidence? Moi, je pense pas. Au fait, je suis en train de penser, j'ai une épée en or, Mending. Et j'ai aussi un livre Sharpness 4. Il faudrait peut-être que je demande à ChatGPT si je dois mettre mon livre Sharpness 4 sur mon épée. J'espère tellement qu'elle me dise non, mais ok, on va voir. Il est préférable de mettre un enchantement tel que Sharpness 4 sur une épée en or dans Minecraft. Bon, eh ben, je crois que j'ai pas le choix. Mais pour ça, il faudrait que je sache comment faire. Et elle m'a toujours pas expliqué comment faire. Comment farmer du fer sur Minecraft? Ah oui, pour crafter une enclume. Elle m'a proposé plein de réponses, mais celle qui fait le plus rire, c'est la dernière. Une ferme automatisée de golems de fer. C'est vrai que ce serait une idée de zinzin, ça, non? Allez, c'est parti pour se faire une petite farm à fer tranquillou. Au moins, ça fera taire les gens qui me disent toujours que faut être hyper avancé pour faire une farm à fer. Regardez ce que j'ai rien du tout. Et je vais faire une farm à fer. Regardez bien. Faut juste que je trouve un village. Alors, c'est pas le genre de biome que je cherchais pour pouvoir construire mon village, hein. Par contre, petit aparté, avec les shaders, c'est magnifique. On dirait une sorte de, vous savez, une timeline de son dans un logiciel de montage ou quelque chose du style. C'est magnifique. Forcément, je trouvais beaucoup trop de villages une fois que j'en avais pas besoin. Et maintenant que j'en cherche un, incapable d'en trouver un. Tant pis, on perd ses verres. Bon, on rigole bien, mais la nuit est tombée. Même si j'ai toujours pas de village, va falloir que je fasse un petit somme. Sinon, je vais juste canner, en fait. Par contre, j'ai vraiment l'impression que ce biome neige est infini. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. Je vais pas trop pouvoir construire une farm dans ce biome. Et en plus, j'y trouve aucun village. Ça y est, il se termine enfin. Hop, 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 on arrête tout. Je crois qu'il y a un village. Yes. Et ça y est, on arrive enfin au village qui est un village abandonné. Et non, vraiment. Oh, j'ai tellement pas de chance. Oh. Bon, bah, faut trouver un autre village. Let's go. Je suis trop heureux. Ah, croyez-le ou non, mais j'ai jamais dans toute ma vie cherché un village aussi longtemps. C'est une folie ce qui est en train de m'arriver. Ça va faire 3 jours non-stop que je marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va encore se coucher, hein. Ok, alors attendez, là je viens de trouver des citrouilles. Et en général, les citrouilles, c'est bon signe. Je crois qu'il faut aller vers l'ouest des citrouilles et on trouve obligatoirement un village. Eh bien, apparemment, non. C'était peut-être vers le sud qu'il fallait que j'aille. Ça n'a pas vraiment l'air d'être vers le sud non plus. Mais alors, faut que j'aille par où? Il y a d'autres citrouilles ici en plus. Eh ben, j'ai toujours pas trouvé. Décidément, les villages sont plus rares que le diamant, apparemment, dans ce monde. J'ai pas de village, mais il y a une petite structure intéressante là-bas. Allons voir ça. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je fasse gaffe, je crois qu'il y a des zombies qui sont pas trop heureux de me voir. Ok, il y a de l'émeraude, du blé et une carte. C'est une carte au trésor. Il y a 2 cartes au trésor différentes. Incroyable. Un casque en or juste ici. Tiens, je vais le ramasser. Je vais même l'équiper. Ok, alors je me taille par contre parce que les dronettes n'ont pas l'air d'être trop heureux que je sois là, hein. Étonnamment. Par contre, je vais regarder cette carte au trésor. Ok, apparemment, je suis censé être en plein sur le trésor. Je vais quand même demander à ChatGPT si je vais le chercher ou pas. Je lui ai juste dit, vais-je chercher le trésor sans lui dire plus de détails. Elle m'a dit oui si j'ai besoin de ressources. En soi, oui, j'ai besoin de ressources. Let's go! Le problème, c'est qu'il faudrait que je le trouve, ce trésor, pour l'instant. Je suis pourtant pile au bon endroit et j'ai creusé sur tout le long et j'ai rien du tout. Bon, sinon, tant pis, on va remonter, hein, il n'y aura pas de problème. Ah bah, ah oui! Ah donc j'étais juste un bloc en dessous! Wow. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce trésor? TNT, diamant, fer, or. Oh là 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 là, on est bien. Il y a même de la nourriture. Mais ma question, c'est est-ce que l'autre carte au trésor emmène au même endroit? Ah, malheureusement, oui. Tant pis, tant pis. On retourne chercher le village. Mais avant, peut-être falloir qu'on dorme là. Et ce petit îlot sera parfait pour ça. Et regardez, je suis au-dessus d'un portail abandonné. De base, je suis là pour explorer, non? Il y a de l'obsidienne, du briquet. Bon, on prend tout ça et on se taille, hein. J'ai un ami dauphin qui nage à côté de moi. Il vient me soutenir dans ma lourde tâche de trouver un village. Adieu, mon ami. Oh, ça y est, il y a un village. Alors, si celui-là est abandonné, je vous jure que je quitte la survie maintenant. Je tue toutes les et je mets des TNT à mes pieds, c'est bon un moment. Excusez-moi, je crois que j'ai pété un câble. Let's go, c'est un vrai village, on va pouvoir commencer notre farm à fer. Je pense qu'on va la faire ici d'ailleurs. Hop, du coup mon plan c'est de creuser un trou de 6 par 6. Et je vais peut-être me faire un coffre parce que je commence à en avoir marre de tout stocker à l'intérieur. Vous savez, je suis un petit être sensible, je peux pas tout stocker moi. Tout ça pour mettre Sharpness 4 sur une épée en or qui va être cassée dès que je vais me battre contre quelqu'un. Hein. En même temps, je suis en train de me dire, je viens de récupérer du petit diamant. Est-ce que je demanderai pas à ChatGPT s'il vaut mieux que je me fasse une épée en diamant ou une épée en fer? Même une épée en or. Non, ma pioche a cassé. Plus qu'à en faire une en fer. Au centre, on fait un trou de 3 par 3. Et toujours sur 3 de profondeur. Une petite torche ici. Ici, il faut creuser une salle et faire un escalier qui remonte. En bas, faut mettre une dalle là, une dalle ici. Et une petite trappe au milieu. Maintenant, le plan, ça va être de ramener tous les villageois dans cette farm, tout en bas. Et pour ça, nos amis sont juste ici. C'est pour ça qu'on a cherché un village aussi longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est casser tous les lits du village pour que dès qu'il fasse nuit, ils aillent automatiquement se coucher dans ma farm, puisque ce sera les seuls lits disponibles. Je suis d'accord que c'est un petit peu sadique comme technique, mais bon, en a-t-on quelque chose à faire? Vite, on voit la nuit qui va tomber.
tomber, on va aller préparer le terrain pour nos villageois. Le but du coup, ça va être de mettre 3 lits ici, puis 3 lits ici, et enfin 3 ici. Ils devraient tous aller se coucher dans ceux-là, puis dans ceux-là, puis dans ceux-là, puis t'as capté. Regardez, dormez pour voir. Et maintenant, je vous réveille. Ils vont courir dans ceux-là, sauf que maintenant, je vous réveille. Du coup, ils vont dormir dans ceux-là. Moi, faut juste que j'aille mettre ces lits tout en bas de la farm. Nickel. Et on casse tout ça. Ils devraient se précipiter au milieu de la farm. 2 sur 3. Bon, il y en a même un de trop, mais bon, tant pis pour lui. Allez, on referme. C'est ciao. Maintenant, le plan est tout con. Il faut juste que je descende ici, que je mette un bateau juste là. Et un zombie va devoir se bloquer dedans. Alors, allons attirer un zombie. Bon, malheureusement, il y a tous les monstres du monde, mais pas de zombies. Mon dieu, mais HP. Ok, là, il y a des zombies. On va en tuer quand même quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup de trop. Ok, toi, tu vas me suivre, mon pote. Allez, viens. Va dans le bateau, frérot. Let's go. Regardez, ils ont peur. Faut bien tout reboucher autour de lui. Et regardez, le golem a spawn à l'intérieur. Je vais pouvoir dormir vite fait. Le soleil se lève. J'ai plus qu'à aller chercher de l'eau et de la lave. Et il va pouvoir mourir en boucle, ce petit golem. Pour ça, faut juste que je fasse un petit trou ici et que je mette des échelles pour y remonter. Voilà, impeccable. Du coup, je prends 3 de fer. Je vais chercher de l'eau juste ici. Et on la met ici. Normalement, le golem va être poussé dans le coin là-bas. J'ai plus qu'à mettre des panneaux ici, là et en dessous. Et mettre de la lave ici. En soi, celui-là, je peux m'occuper de le tuer à la main. Hein. C'est juste très très long, quoi. Et voilà, les premiers fers récupérés à travers le mur. Bon, il me manque plus que de la lave à trouver. Et j'espère que ça va pas durer des heures. Peut-être que ChatGPT va pouvoir m'indiquer la direction dans laquelle il faut que j'aille pour trouver de la lave. Je lui ai juste dit, donne-moi une direction. Dirige-toi vers le nord. Ok. Alors, le nord. C'est par là. Let's go. Elle a intérêt de me trouver de la lave, cette grognasse. Eh, hey, ça y est, là-bas, je vois de la lave. En vrai, ça va, c'était pas si long que ça. Ça m'a pris peut-être 5-10 minutes. Par rapport au temps que j'ai mis à trouver un village PNJ, je trouve que ça va. Allez, on rentre chez nous. Enfin, je dis chez nous, mais pour l'instant, on a rien. Pas une maison, rien. Nada. J'ai failli tomber dans un beau petit trou là. Tiens, il y a encore un golem qui a spawn. Celui-là, il va pas faire long feu. Enfin, si, il va faire long feu. Bonne nuit à toi, golem. Bon, bien voilà, je devrais bientôt avoir ce qu'il me faut pour crafter ma première enclume du coup. Mais avant ça, faudrait que je fasse un hopper pour que le fer se récupère automatiquement. Ah, il est encore en train de cramer. Hop, le hopper. Déjà, bientôt la nuit. Dans ce cas-là, vite, on va vite aller se coucher. Mais du coup, combien il me faut de fer pour créer une enclume? Moi, je sais pas calculer, je suis pas bon en maths. On va demander à ChatGPT, hein. Selon ChatGPT, on a besoin de 27 lingots de fer. Alors, je crois qu'il y a un petit problème de calcul, mais ok, on va attendre d'avoir 27 lingots de fer alors. Mon dieu, ChatGPT. Elle est pas pixel pixel, hein. Tiens, on va décorer notre petite farm à golem avec des petites fleurs. Rip à tous les golems. En attendant, on va demander si c'est mieux de la mettre sur une épée en diamant ou une épée en or, notre Leaf Sharpness. Apparemment, c'est plutôt recommandé de le mettre sur une épée en diamant. Ok, étonnant. Je m'en serais pas du tout douté. Bon, eh bien, on va attendre d'avoir assez de fer et on va peut-être continuer pour faire autre chose. Ce que je me suis dit, c'est qu'en bas de cette farm à fer, je pourrais peut-être me faire une petite maison. Mais je vais demander à ChatGPT si je fais plutôt un abri rond, triangle, rectangle ou carré. Je choisis le carré. Ok, bon bah ça me va, moi ça m'arrange. Mais avant ça, j'ai 30 fer. Elle m'a dit que 27 ça suffisait pour faire une enclume. Le problème c'est que 27 ça me fait juste mes 3 blocs de fer. En réalité, il en faut 4 de plus. ChatGPT n'est pas au point. Faut faire une mise à jour version Minecraft. C'est bon, je devrais avoir suffisamment de fer pour faire mon enclume. Par contre, je suis pas sûr d'avoir suffisamment de niveaux pour enchanter mon épée. Je vais déjà commencer par la crafter et il faut 4 niveaux aussi. C'est bon, j'ai suffisamment. Let's go, ma première épée en diamant. Et elle est déjà sharpness 4. Par contre, sur le sol de ma salle des coffres, je vais mettre que des dalles tout simplement parce que sinon le golem risquerait de spawn ici. Et ça me casserait du coup ma farm à golem qui est juste à côté, n'est-ce pas? Voilà notre petite salle. Maintenant on va lui demander comment on la décore. Je lui ai dit choisis un bloc de décoration pour ma salle des coffres sur Minecraft et elle me conseille d'utiliser des blocs de quartz. Oh, bon, eh bien on va mettre un lit et on va passer notre première nuit ici. Je vais demander à ChatGPT comment me rendre dans le désert. Bah oui, j'ai pas le choix d'y aller puisque je veux récupérer du quartz. Je vais lui dire comment construire un portail sans diamant. Elle m'a dit de trouver un portail du nether déjà existant. Oh là 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 là, ChatGPT. Non, il y avait tellement plus simple avec des sauts. Bon bah j'ai pas le choix, hein. Mon dieu, GPT chat. Ouais bien écoutez, avant de partir on va prendre un briquet, on va se crafter plusieurs pioches et on va aller dans ce désert. Je lui ai demandé quoi faire avec du fer. Elle a commencé par me dire de me crafter des équipements et une armure. Ok, bon bah ça roule. Étonnamment je m'attendais un petit peu à ce qu'elle me dise ça. C'est bizarre, hein. On dirait que mes questions sont orientées. Et me voilà full fer. On va partir uniquement en direction de l'est. Là où je suis un petit peu dégoûté, c'est que ChatGPT ne m'a pas dit de crafter un bouclier avec ce fer. C'est pourtant quelque chose de relativement pratique, on va pas se mentir. Tant pis pour moi, j'imagine. Non mais c'est une blague, maintenant que je cherche un portail du Nether, je trouve un autre village. Je n'ai vraiment aucune chance, hein. Il est énorme ce village en plus. Oh, super grand, c'est aberrant. Au moins ça va me permettre de trouver un petit lit parce que j'avais oublié d'en emmener un. Hop, c'est à moi, monsieur. Oui, c'est un cambriolage. Et alors, les villageois, ils ont pris la confiance maintenant. Bonne nuit à tous. Encore un village? Non mais c'est une blague. Mais attendez, mais je vais me foutre dans le décor. Qu'est-ce que c'est que cette blague? J'en ai cherché un pendant des heures et des heures et je faisais que de tomber sur des portails du Nether et maintenant que je cherche un portail du Nether, j'en trouve pas. C'est franchement une grosse blague, hein. Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé un portail du Nether. J'espère qu'il va être suffisamment complété pour que je puisse l'utiliser. Une obsidienne ici. Ça va être très long de casser cette obsidienne, je sens. Souhaitez-moi bonne chance. Ah, quand on n'a pas la pioche adéquate, c'est pas très rapide, hein.
Ah, ça y est. Plus qu'une ici. Ah, let's go. J'ai plus qu'à l'allumer et à partir dans le laser. Youhou. Biome Soul Sand. Il va falloir que j'aille chercher le plus de quartz possible sans mourir. Et hop, on récupère du quartz. Merci ChatGPT du conseil d'aller dans le nether directement. Non mais oh, tout ça pour chercher du quartz en plus. Ah, heureusement j'ai une épée efficace. C'est marrant cette sensation qu'on a dans le nether quand on est en hardcore. Surtout quand on n'a pas de bouclier et pas le stuff adéquat. On la retrouve vraiment qu'ici. Le stress alors qu'on joue à un jeu de base. On est là pour s'amuser, non? Pour faire ma déco en quartz, il me faudrait 200 dalles. Soit 100 blocs de quartz. Oh non, il y a un squelette. Dégage, c'est l'Enderman. Mon dieu, je suis en train de me faire violenter par un méchant squelette. Lâche-moi, je vais te retrouver. Ça va être violent pour toi, mon frérot. Arrête, arrête, tu te fais du mal. Voilà. Oh, mais oh, pas possible, il y a si peu de quartz. Que là-bas, il y a un beau filon. Là où ça m'est très très bien, c'est vraiment l'XP. Frère, on est bientôt au niveau 16 alors que je viens juste d'arriver dans le Nether. J'ai 19 blocs sur 100. Hop là. J'ai déjà cassé deux pioches, mais on devrait être bientôt à la moitié des 100 blocs que j'ai besoin pour décorer ma salle. Ouais, c'est ça, on est à 51 blocs sur 100. Il y a un bastion ici. Je devrais demander à ChatGPT est-ce que je dois aller explorer le bastion, mais j'ai peur qu'elle me dise oui. Mais en même temps, c'est le concept, hein, j'ai pas le choix, je vais devoir y passer. Alors, ChatGPT, je lui ai dit, dois-je explorer le bastion en début d'aventure? Elle m'a pas donné une réponse claire, elle m'a dit, ça dépend de toi. Bon, je vais lui dire, choisis entre oui et non, STP. Non. Ah, bon, et bah, elle a dit non. Let's go, je suis si heureux. J'avoue, j'ai posé la question en me disant, si elle dit oui, je suis tellement mort. Je suis à 69 blocs sur 100, 84 blocs, et c'est ma dernière pioche, va vraiment falloir que je me dépêche de rentrer là. Et je suis déjà niveau 30, ça met bien par contre. Et ça devrait être le dernier quartz. Et j'en ai même deux de trop des blocs. Let's go, on se taille d'ici les gars. Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Direction le portail du Nether. Ok, let's go, direction le monde normal, c'est parti. Il fait nuit, quand j'arrive on va faire un sommeil instantané. Laissez-moi me détendre un petit peu s'il vous plaît. Allez, on rentre chez nous, on va pouvoir commencer notre décoration de notre salle déco. Boah, j'ai failli crever. Falloir que je sois plus prudent, moi. Je ressors du Nether en vie, mais je vais crever d'une chute alors qu'il fait beau et qu'il n'y a aucun monstre. Non, je refuse. Ok, ça y est, on arrive enfin bientôt chez nous. Je commençais presque à m'impatienter. Du coup, ce que je vais faire avec ce petit quartz que j'ai été farmé, c'est en faire des dalles. Tout ce côté-là, ce sera des coffres. Ici, pareil. Voilà, comme ça. Et tout le reste, ça va être un sol classique. Impeccable pour le sol. Maintenant, faut que je fasse le toit, du coup, qui va aussi être en dalles de quartz. Et évidemment, ma pioche a fini par casser. On va aller faire un petit somme. Et voilà le travail. Nickel. Maintenant, va falloir que je passe les murs, et pour ça c'est ChatGPT qui va décider aussi de ce bloc. Il m'a conseillé la smooth stone, donc les pierres lisses. Alors pour ça c'est très chiant, il faut que je prenne de la cobblestone, j'en aurai sûrement assez, mais il faut que je la fasse cuire. On va attaquer la cuisson et on va aller chercher des seaux de lave si jamais il n'y a pas assez de charbon. Et voilà, on récupère notre stone, on en a 18 qu'on a déjà cuit, et à partir de là il faut que je fasse cuire ma stone pour que ça devienne de la smooth stone. C'est compliqué mais on va y arriver, et ça nous fait ce super bloc, c'est juste magnifique. Maintenant va falloir que je casse tous les murs et que je fasse chauffer tout ça. Let's go. Comme prévu, j'aurais pas suffisamment de charbon, donc je suis parti pour aller chercher de la lave dans le lac de lave tout là-bas, histoire de faire chauffer ma petite pierre. D'ailleurs, je vais juste changer mes shaders parce que regardez, ils bug quand je me déplace en F5. Vous avez vu le flou que ça fait, c'est dégueulasse. Attention, tada, magnifique, non? C'est vrai qu'ils sont beaux ceux-là aussi. Ils sont un peu plus smooth, mais au moins ils font pas bugger, donc c'est déjà pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, let's go. Je vais crafter 3 fours de plus. Et est-ce que je vois la nuit commence à tomber? Je vais juste placer cette smooth stone avant d'aller me coucher. On a fini un mur, go dodo. Dégage, c'est ma place, toi. Oh là, j'ai cassé le panneau qui était en dessous et je crois que ça a fait tout cramer. Le problème, c'est que j'ai même plus une seule bûche. Désolé, j'arrive. Il a même pas un petit peu de dignité, ce golem. Et voilà, nickel. Ok, il ne reste plus qu'un mur à faire et ce sera enfin terminé. Cette ferme à golem est extrêmement rentable, mais elle me fait mal à la tête, j'en peux plus. Au moins, on a dû faire en illimité, mais bon, à quel prix, quoi. Et ça y est, notre salle est enfin terminée. Voilà, ce sera une belle petite salle des coffres pour commencer. Par contre, il va me falloir beaucoup, 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 beaucoup de coffres. Pour ça, je vais me crafter deux haches et on est parti pour aller ramasser un max de bois. Et j'ai vraiment un chic pour aller faire ça sous la pluie, moi. Bon, j'ai presque deux stacks de bois, je pense que ça devrait suffire. Sinon, on est juste à côté de la forêt, c'est pas très grave. On va aller dormir parce que cette pluie, j'en peux plus. Ok, la nuit est bien passée, let's go, c'est parti pour crafter un maximum de coffres. Ok, j'ai 27 coffres, je me demande si ça va suffire, je suis pas sûr. Effectivement, ça suffit pas. Là, c'est bon, faudra que je les trie. Hein. Bon, maintenant, c'est parti pour demander à ChatGPT ce que je dois faire dans ma survie. Moi, je suis perdu, j'ai fini ce qu'elle m'a demandé de faire. Donne-moi un défi dans ma survie hardcore. Je t'écoute. Bon, son défi, c'est de construire une base souterraine. Je crois que c'est bon, on va pouvoir passer à autre chose, on va lui demander autre chose. Attendez, mais j'ai beau lui demander en boucle, elle veut toujours que je construise une base souterraine. Elle a rien d'autre dans la tête? On va lui poser la question autrement. Un phare maritime. Waouh, ça c'est intéressant. Ok, l'idée me plaît bien. Pour construire un phare, on va avoir besoin d'énormément de concrete. Pour ça, va falloir que j'aille farmer du sable et du gravier. Eh ben c'est parti, on perd pas de temps. Ok, j'ai 8 stacks de sable, maintenant c'est le gravier qu'il va falloir. Par contre, ma pelle vient de casser. Je vais aussi me craft des portes parce que j'ai une petite stratégie bien à moi pour aller farmer ce gravier. C'est que je vais dans le fond des océans et que je mets une porte. Regarde, je vais te montrer. Par exemple, ici, tu mets une petite porte, même si on n'y voit pas grand chose. Mais dans la porte et tu casses le gravier autour. Pas bête, hein. Le truc,
truc, c'est que vu que la technique est cheatée, on va demander à ChatGPT si oui ou non j'ai le droit de l'utiliser. ChatGPT, donne-moi une réponse entre oui et non. Elle a dit oui, j'ai le droit d'utiliser la technique. Let's go. Bon bah on va se coucher et demain on voit tout ça. Et ça y est, j'ai tout le gravier nécessaire également. Maintenant on va pouvoir aller scraft nos petites concrètes blanches et rouges, puisqu'un phare en général c'est blanc et rouge, bien vu. Pour ça on va faire un petit dodo. Ah mais on peut pas encore. Bah super, le soleil il veut pas qu'on dorme, bonne ambiance. Allez c'est ciao. Ok, du coup il va nous falloir du colorant rouge. Pour ça, ça devrait pas être trop compliqué puisqu'on a énormément de roses qui sont juste ici. Et la rose nous donne du colorant rouge. Ouais, ça paraît logique en vrai. Ce qui nous fait donc 8 stacks de red concrete. Et en ce qui concerne le colorant blanc, il va falloir qu'on ait un stack de poudre d'os. Sachant que tout à l'heure j'ai récupéré des bonnes blocs. Ça nous en fait 54. J'ai 4 roses ici. Ça nous en fait un stack et deux. Parfait. Et voilà de la white concrete également. Je vais juste faire une rapide farm à concrete. Pour ça, rien de compliqué. Faut juste mettre 3 dalles comme ça. Parfait. Un seau d'eau dans l'océan qu'on met au milieu des trappes. Comme ça. Et comme vous voyez, quand on place ici une concrete, elle se transforme automatiquement en concrete dure. De la laine en dessous parce que c'est un bloc qui est long à casser. La red concrete dans la main gauche et la pioche dans la main droite. Et regarde, on fait clic droit et clic gauche en même temps. Incroyable, c'est une forme à concrete, messieurs dames. Mais c'est si rapide, si efficace. C'est... Ah, mais c'est Guali. Oui, c'est logique. Ah, ma pioche a cassé. Eh ben, j'y ai passé toute la journée et j'ai même pas terminé. C'est long quand même. Bon, on a 4 stacks de chaque. On va attaquer la création de notre phare. ChatGPT, je te tiens en lice. Hein. Quelle idée de me faire construire un phare alors que je suis au tout début de ma survie. Ok, j'ai fini la grande tour. Viens y ajouter 2 cercles des deux couleurs. Perfecto. On va sauter dans la mer. Faire une porte par ici. Faire un petit quadrillage avec de la poudre. Parfait. Dans le fond, je vais y mettre des super petites échelles histoire de monter jusqu'en haut quand même. Et ici, je vais faire un sol. Maintenant, au milieu, on va y mettre du verre et de la glowstone. Pour ça, faut que j'aille en chercher. Donc, pas le choix, va falloir que je continue de casser du sable. J'ai cassé 2 stacks de sable. Ça devrait suffire pour avoir assez de verre. Je vais aller chercher d'autres seaux pour faire cuire mon sable. Et après, on va devoir retourner dans le nether pour attaquer la glowstone. Et ça, croyez-moi, ça me fait tout sauf plaisir. Allez, c'est parti, on fait cuire tout ça. Je vais aussi en profiter pour aller mettre des petites barrières. Impeccable. Et faire les trous à chaque étage qui représenteront les vitres. Et voilà. D'ailleurs, je pensais, est-ce qu'on utilise de la glowstone ou de la lave tout en haut? On va demander ça à ChatGPT. Choisis entre lave ou glowstone. Elle a choisi glowstone. Dommage, c'était plus simple la lave. Ok, j'ai mis toutes les vitres à l'intérieur. Donc, il y aura la glowstone pour le côté phare. T'as bien capté le but de base. On n'a plus qu'à faire un beau petit toit. Et j'espère tellement que le rendu sera cool parce que honnêtement, je suis en train de build dans le vide. J'invente totalement mon build. Je ne sais pas du tout si ça va bien rendre à la fin. On va mettre une antenne et on saute dans l'eau pour voir le rendu. On va s'éloigner un petit peu histoire de regarder tous ensemble à quoi ça ressemble. Bon, même si évidemment il manque la glowstone. D'ailleurs, est-ce qu'on irait pas la chercher avant de regarder à quoi ça ressemble? C'est une bonne idée. Direction le portail du nether qui est toujours aussi loin. À part si ChatGPT veut bien qu'on utilise les seaux maintenant. On va lui demander quand même. Choisis entre oui et non. Elle a encore dit non. Quelle grognasse. Allez, on va marcher. Je déteste ChatGPT. Heureusement qu'il y a des moutons parce que j'ai oublié de prendre un lit avec moi et la nuit tombe avant même que j'arrive dans le nether. Ah, on les aime ces petits moutons. Hein. On aime surtout notre petite Sharpness 4. Et bonne nuit. D'ailleurs, j'y pense pendant que je marche. Mais si vous avez des idées de questions que je pourrais poser à ChatGPT qui pourrait peut-être lui faire me donner des ordres du style n'importe quoi, eh ben n'hésitez pas à me le proposer. Bon, bah grâce à ChatGPT, j'ai eu la chance de pouvoir refaire ce long trajet qui me prend une demi-journée à chaque fois jusqu'à ce portail du nether. Mais on est enfin arrivé. Eh oui, ChatGPT, tu m'auras pas comme ça. Ok, maintenant faut qu'on trouve de la glowstone. Alors où est-ce qu'il y en a? Ça, c'est une bonne question. Bon, je vais juste en profiter pour faire un petit somme parce que comme vous voyez, il fait nuit. Non mais je rigole. T'es sûr, il y en a au moins un d'entre vous qui a cru. Oh monsieur, ça va pas ou quoi? Je crois qu'il va falloir que j'aille chercher de la glowstone ailleurs. Il y a un squelette qui me tire dessus, mais décidément, on peut me laisser tranquille ou pas? Ok, là il y a de la glowstone et c'est un beau filon. Bon, j'en ai plus d'un stack, ça va largement suffire pour décorer ma base et le phare. Donc on est en direction de la sortie. Je perds pas plus de temps dans ce bâtiment là. Cet énorme bâtiment qui s'appelle Nether là. Qui c'est qui l'a créé? Il est complètement fou celui qui a fait ça ou quoi? Et vas-y que je me fais agresser par un squelette. Et vas-y, vas-y. Non mais oh, je vous jure qu'on peut pas être tranquille. Ok, on est bien arrivé. Plus que la route du retour à faire. Évidemment, quand je sors, il fait nuit. Un petit dodo s'impose. Allez, retour au bercail. Ça y est, nous voilà à notre phare. Attention, je vous spoil pas trop, pas trop, pas trop. On va mettre la glowstone et je vous montre le vrai résultat une fois que c'est terminé. Let's go. Et ça y est, le phare est terminé. Et attention, voilà le résultat. Ouais, c'est un échec. On va pas se mentir, c'est un échec. Mais bon, c'est pas grave, on a un phare. Il a été demandé par ChatGPT. On peut lui dire qu'on a fait ce qu'elle nous a demandé, n'est-ce pas? Je crois que j'ai rarement autant mal build dans toute ma vie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi, ça me choque tellement c'est moche. Bon, on est déjà au 24e jour de cette survie contrôlée par ChatGPT. Elle voulait qu'on survive au moins 42 jours. Alors, si vous voulez 24 jours supplémentaires, n'hésitez pas à mettre des likes. À partir de 20 likes, on fait un épisode 2 lundi prochain. Allez, demandez-le moi. En attendant, je vous fais des gros bisous. C'était Guali. Ciao.